Come, tribe, let us make fire. Phone bad, make mad, make mad, make them sad. Me no think technocratic life, very healthy. Me would rather run free than serve the needs of the wealthy. Me no watch your factories that squeeze me to capital knees. Kill the birds and all the bees, me would rather flee to trees. Tribe member dead? Very sad, very sad. From a scrape on his head? Very sad, very sad. No way to prevent this, no, not at all. No way to prevent this, Sungrass Falls. Me, no libertarian, no boogaloo. Only booga we do is ooga booga boo. Ooga booga 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 boo. Ooga booga 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 boo. Sing Anthem, 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 Anthem. Anthem, Anthem, Anthem. And don't even get Anthem started on Industrial Revolution. This may surprise you, but... Et donc, salut tout le monde, c'est Flav Stansus. Excusez-moi, c'est juste que cette bataille est absolument bizarre. Et on va donc se battre contre une armée de lambeaux, littéralement une armée de lambeaux de la Nouvelle-Angleterre, enfin, des 13 colonies, et une armée de cavalerie des créoles et des... confédérés, c'est parfait. Vous savez, je crois que j'avais déjà fait la blague la dernière fois, mais bon, on casse la figure des confédérés avec les États-Unis, on casse des confédérés. On va casser du confédéré avec du français. Eh, franchement, c'est pas magnifique. La chose la plus dure à faire pour les soldats, pour un soldat, est de se replier. C'est peut-être même l'inverse, hein. Le truc le plus simple pour un soldat, c'est de se barrer, hein. Parce que bon, tu m'excuseras, Arthur, mais quand t'es en arrière-ligne, à rien faire, à part regarder avec ta longue vue si tout va bien, tout le monde peut le faire. Enfin. Ça dépend, c'est dépend d'autres facteurs. Mais quand t'es un troufion en première ligne, t'as plus envie de t'enfuir qu'autre chose. Bah, que ce soit Candide ou Barry Lyndon, ils ont quand même bien montré ça. Bon, ça compte pas parce que Wellington... Ah, si Wellington connaissait, a dû forcément lire Candide, vu que c'était au 18e à sa même époque. Donc, monsieur Wellington, vous n'avez aucune excuse. Et voilà, bon. Revenons à des choses un peu plus sérieuses. Donc, on va encore se battre contre la Nouvelle-Angleterre. Précédemment, c'est ce qu'on avait fait, hein. On s'était battu contre les néo, les 13 colonies. Pourquoi je dis les néo-anglais Techniquement, c'est la Nouvelle-Angleterre. Là, on se bat en Nouvelle-Angleterre. Mais là, on affronte aussi des lambeaux. Seul problème, c'est que les batailles sont coûteuses en hommes. Donc, après, l'avantage, c'est que les troupes indiennes mettent beaucoup. De toute façon, c'est ça. La guerre, elle va être gagnée par les Indiens. Qui a gagné la guerre franco-anglaise? Les Indiens. Ok. Ok, si vous le dites. C'est une manière particulière de gagner, mais bon... Alors, on va voir ce qui va se passer dans cet épisode. Là, je vais pas vous mentir, il y a encore quelques épisodes, je m'ennuyais avec les États-Unis coco parce qu'il y avait pas de guerre. Là, maintenant, je suis autant, pas excité, mais impatient de rejouer aussi bien à cette game avec la France qu'avec les États communistes. On l'oublie souvent, mais quand tu fais un jeu de stratégie où il n'y a pas beaucoup de guerre, on s'ennuie beaucoup. Alors que là, c'est parfait. Là, c'est la guerre contre les Anglais et l'autre, c'est la guerre contre les Confédérés. Oui, il y aura aussi la guerre contre les Anglais, mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il faut encore gagner la guerre contre les Confédérés. Je suis même pas sûr qu'au prochain épisode, on gagne la guerre contre les Confédérés. Enfin, si, on va la gagner. Mais est-ce qu'on l'aura gagnée avant la fin de l'épisode? J'en sais rien. Bon, là, ici, on sait qu'il faudra encore un bon moment avant de gagner la guerre contre les Anglais. De toute façon, je vous l'ai dit, mon objectif ici, c'est de bouffer les 13 colonies. Plutôt la Nouvelle-Angleterre, jusqu'à New York. Parce que la Virginie et tout ça, j'en ai rien à faire. Hein, Moi, je veux juste la Nouvelle-Angleterre. Comme ça, on aura la Nouvelle-France et plus la Nouvelle-Angleterre. Et ouais. La France se doit d'avoir un empire colonial parfait. Ah bah voilà. Le combat va commencer. Là, on va avoir une armée de 13 clampins, hein, donc autant dire que ça va se dérouler très rapidement. Sauf s'ils décident d'utiliser leurs artilleurs, ce qui potentiellement va être un peu douloureux pour moi. Effectivement, ça risque d'être très compliqué. De toute façon, là, ce qu'on va faire, on va envoyer nos 3 unités... Parce que là, comment voulez-vous que je fasse autrement? Là, il y a juste 3 clampins qui vont se prendre 33 clampins face à toute ma cave. On gagne. Alors, mon général, je vais essayer de le mettre à distance des artilleurs. Alors. On va attaquer. Où est leur cavalerie? Ah bah là, elle arrive par là. Parfait. On va juste se poster ici. De façon
En plus, on a des Indiens, donc les Indiens vont bien pouvoir distraire l'ennemi. On va juste espérer... Ah, les obus, ça commence! Aïe, 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 aïe! Attends. Oh, ça va être marrant, cette bataille va être assez marrante. Allez, les gars, feu! Ah merde, c'est mes archers! Ah, mes archers qui font un excellent taf. Feu! Oh! Ça fait bobo, ça! Ouh, ça fait bobo! Parfait, on va avoir neutralisé leur clampin à côté. Le général qui est tout seul, regardez-le. Bon, alors, il fait quand même un peu froid par ici, hein, on va pas se le cacher. Oh non, il me tire dessus! Ils ont le temps de tirer, les salauds! Sinon, on pouvait le descendre, hein. Les salauds, ils ont tiré au canon. Ah, j'ai perdu 10 gars dans l'histoire! Ah oui, bah, ça fait mal quand même, hein. Cette bataille n'a aucun sens. Plus le mec il fait rien quoi, c'est encore plus ridicule. Ah! Alors là on va être face à quelque chose de compliqué hein. Le mec il est tout seul quoi. Gérald qui est tout seul, on va voir combien il va nous tuer de gars dans l'histoire. Ouais bah là c'est fait. C'est fait, y'a plus personne. Putain ils vont vraiment foncer dans le tas ces débiles. Oh je les aime. Feu, c'est ça le feu, bande de débiles. Oh oui, touche. Raté. Allez, feu, les gars. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça va faire bobo par ici. Oh bah c'est bon, on l'a tué, l'autre là-bas, il est mort. Il en est mort. Ah. Ma, j'ai peur. Au secours. C'est qui l'autre Valentine Holborn. Là c'est plutôt Noël en ce moment alors. Il arrive sur le flanc. Feu. Oh là 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 là, c'était nul. Si, ils ont quand même tué des gars dans l'histoire. Mais c'était nul. Nul Germain, nul. Allez la charge. Pa-ba-bam, pa-ba-bam. Bon, ils foutent quoi, là, mes archers? Il est là, l'homme à abattre! Bon, on va se rapprocher. Aïe, 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 mes albardiers qui prennent. Eh, là, tu les tailles en pièces! C'est quoi? C'est les Southerners! Mais non, vous faites pas défoncer! Mais c'est pas possible, pourquoi vous faites défoncer? Genre, ils sont 5 fois moins nombreux! Et vous avez des lances! Vous voyez l'espèce de truc pour les apéricubes? Ça sert à empaler les mecs, pas à se faire buter. Oh là, quelle bande de débiles. Ah, j'ai une acheté. Lovely, send me a band of moron. Ah, c'est bon, quand on est en train de gagner, quoi. Non, mais c'est pas possible que vous soyez autant des merdes, les gars. Oui. Oh oui, merci le général. Vaudreuil qui sauve la mise. Oh, les salauds, ils s'y à ce moment-là, quoi. Bon, attends, on va aller les traquer, eux. Eh, mes petits archers! Ah bah ouais, hein! Ça a fait... C'est moins différent, là, d'un coup. Je vais peut-être oublier mes mecs des Grandes Plaines, parce que là, ça fait mal. Eh, quand il me charge... Carrément! Oh là, les gars, c'est stupide, par contre, sortez de votre... Tant pis pour vous, mes archers vont faire la peau. Ah là là, ça me rappelle du Medieval 2, tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Medieval 2. Avant, je jouais sur des modes. Faudrait que je refasse sur des modes, ça serait plus fun. Aussi... Ah d'accord, c'est les dragons créoles. Bon, ok. Ok, bah s'ils veulent mourir, on va leur offrir une mort épique. Allez, Philippe, tu peux le faire. Feu, Philippe. Oh oh. Fais
j'ai pas le corps Philippe. Bon bah allez, je me les défonce. Allez Philippe. Oh oui, allez, Philippe qui est en train de tailler en pièces les créoles. Bon sang, il parle un anglais incompréhensible. C'est du créole, monsieur. Oh ouais. Donc cela, cette langue parlée par nos ennemis. Allez, la croix de Saint-Michel, tu la plantes dans le... Oh la violence. Allez, pas de survivants. Putain, les mecs, c'est des idées de merde, quoi. Les mecs, ils ont les chevaux de la même couleur que moi. Ils ont pas la même couleur de chevaux, mais quand même. Allez, tu me les tailles en pièces. Ils m'ont taillé en pièces mes pauvres albardiers. Ah non, c'était ceux de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Pour mon général, Vaudreuil qui vient de faire un tarc excellent. Voilà, t'as perdu 10 minutes avec cette bataille qui aurait pu se finir en une charge. Bon, tant pis. Là, s'il me contre-attaque, je me replie, parce que je vais pas avoir assez d'hommes pour affronter une armée pareille. Le but, c'était pas de se faire éclater, c'était d'éclater. Mais bon, vous me connaissez, j'ai tendance à perdre mes batailles, mais je les gagne juste après. Ça dépend quand même. Alors, une mine peut décider la fin d'une bataille, une heure la fin d'une campagne, et une journée le sort d'un pays. Ah, merci, cette bataille, j'avais oublié cette citation qui était assez géniale. Enfin, d'ailleurs, elle est sur Napoléon Talloir, pour les puristes de Napoléon Talloir, on la trouve facilement. Je me demande si un jour je ferais pas une petite campagne sur Napoléon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a la campagne de la péninsule. Ah, ça, c'était mon gros trauma. C'est dans le nord de ma chaîne, il y a la campagne avec les Anglais. J'ai dû la recommencer deux fois cette série parce qu'elle était cauchemardesque. Trois fois, parce que la première fois, j'ai carrément perdu la save. La seconde fois, c'est parce que c'était un cauchemar, parce que le gars était incroyablement cheaté. La troisième fois, c'est parce que j'ai enfin joué comme quelqu'un de compétent. Non, je pourrais faire ça. Au pire aussi, faire des défis, genre refaire les campagnes napoléoniennes. Ouais, bon, c'est un peu cringe ça maintenant. Tu me diras, est-ce que plus beaucoup de gens jouent à Napoléon? Sauf les modes. Peut-être le Darth mode ou... Ah ben oui, c'est vrai qu'il y a le Zulu mode qui va revenir à la mode. Alors ce jeu nous n'était pas voulu, mais bon voilà, c'est fait. Ah ouais, le Zulu mode. Je sais pas s'il y en a qui ont joué à ce mode. Bon alors, en fait, ce mode, tu as une campagne où tu peux jouer donc les Anglais lors de la guerre des Mahdistes. Bon, en gros, c'est la carte de Napoléon, ça faut pas déconner. Il y a une campagne, il me semble que ce sont les... Oui, il y a une partie où vous pouvez jouer les Zoulous. Et il y a aussi une campagne un peu bizarre, c'est les pirates en Sardaigne, ou c'est Barbe Rouge. Je sais pas d'où sort cette game. C'est le mode Napoléon Zoulou, le mode Cartoon Zoulou, il était assez bizarre, mais assez marrant. Je me rappelle, j'avais fait une super campagne avec les Anglais. Bon, en même temps, quand tu te bats contre les Mahdistes avec les Anglais, avec les chevrotines 1890, effectivement, l'histoire est écrite facilement. Bon, monsieur Alexandre Souvorov, comte de Rimnik. Ah, merci votre altesse et votre grandeur de me faire passer le tour. Voilà. Bon. Un épisode qui commence très bien puisqu'on casse la figure aux Anglais. Si mon armée parvient à se recompléter, mais ce que j'en doute beaucoup... Oh là, ils sont tous morts, parfait. Enfin, pas les miens. On a quand même perdu 112 hommes dans l'histoire, c'est que ça fait mal. Mon général qui a fait un bon taf, ouais. Allez, au revoir. Ah, ça fait du bien de voir ça. Chez. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah. Mais mec. Mec, t'es vraiment sûr de toi là? Parce que la dernière fois que j'ai vu quelqu'un faire un truc aussi stupide, il est mort. Bon, si je fais la bataille, est-ce qu'à votre avis on gagne? J'ai peur de tester. Mais bon, si on peut péter une armée entière, moi ça me va. Nous avons triomphé. Bon, ça va, les pertes sont pas si mal que ça. Putain, mais Zirland, oh mais il y a tout qui a pris cher. Allez, hop, encore une armée en moins. Allez, on fait le ménage. Le main, il va plus y avoir de cadavres d'anglais dans le main que d'anglais. Eh ouais. Eh, attends, ça veut dire que je peux envoyer des renforts depuis Québec? Par contre, leur prédicateur, là, il commence à me faire suivre. D'où vous venez apporter votre langue de sauvage au Québec? Le Québec, c'est français, ça a toujours été français, ça restera français. Et les Indiens, chef? Oui, bah les Indiens, ils parlent leur créole, et ils nous font pas suer, voilà. Les Indiens, ils sont pas un problème. Ah là 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 là, le Québec. S'il y a des abonnés québécois, je vous rassure, je suis favorable à un Québec francophone. Ce qui va exactement se passer dans cette game, puisque les Français vont coloniser le Canada. Plutôt la Nouvelle-Angleterre, donc vous n'aurez aucun souci. Dites-vous qu'il y a un monde alternatif où t'as un parti indépendantiste en Nouvelle-Angleterre qui veut l'indépendance du...
Vous avez un équivalent du général de Gaulle, Lord Churchill, qui a prononcé sur ses discours « Vive la Nouvelle-Angleterre libre !» Et ben voilà. Niveau perte... Oh là là là, c'est catastrophique, niveau perte, par contre. J'ai morflé. Oh là, 2000. Allez. Eh ben là, on va envoyer des petits renforts nous aider. Coucou, c'est encore nous. Est-ce qu'il y a une grosse armée à côté? Est-ce que c'est une grosse armée? Non, c'est bon. Ouais, l'autre clampin, là. J'ai pas peur. Rends-toi. Mais pourquoi il y a des pirates? Mais c'est n'importe quoi. Voilà. C'est comme ça que j'aime les Anglais. Froussard. Pourquoi vous croyez qu'on a dit fuir à l'anglaise? Bah voilà pourquoi. Boum. On va tout de suite construire une petite... Ah, je peux construire l'église? Ah, mais c'est... D'accord. Je m'en souviendrai de ça. On va construire des trucs, on va diversifier. Un port de commerce ici, non, ça servira à rien. Une base militaire peut-être, un port de pêche, voilà. On va faire de la morue. La bonne morue française. Plus 2 de morale. Montesquieu, plus 2 de morale, vous rendez compte? Et voilà. Bon alors les Anglais, comment ça va? Je viens de vous prendre une ville sous votre nez. Là, ils doivent pas aimer Albanie. Et ouais. En plus, ils n'ont même pas les moyens de me contre-attaquer, c'est parfait. Faudrait juste que du côté là-bas, je puisse être en mesure de me défendre. Oui, là, va falloir que je... Regardez, on est en train de les convertir. Soumettez-vous. Soumettez-vous à la grande France. Alors, est-ce qu'on peut faire de la paix, on peut faire la paix, tout simplement, avec nos amis indiens? Oui, je dis ça, mais bon, j'ai envie de les massacrer. Ouais, c'est une fâcheuse habitude qu'on a de faire la paix aux indiens. Monsieur. Alors, on est en guerre, mais on a quand même un accès, j'ai quand même un accès à leur terre. Mais pourquoi tu veux pas faire la paix? T'as aucun intérêt à être en guerre contre moi. Non, je crois. Frère, je te jure, t'as aucun intérêt. Allez, copain? Non, peut-être pas une alliance, hein, déconne pas. Hein, je vais y réfléchir, mais c'est non. Eh ouais. Alors, du côté de la France, enfin, de l'Espagne. Ah, les renforts arrivent! Les renforts arrivent! Oh là là, vous êtes par complété, bande de débiles! Oh là là, c'est catastrophique. Ils sont par complétés. Alors qu'ils savent pertinemment que je vais avoir besoin d'eux. Hop, on se remet au niveau du pont. Oups, Camille, me regarde pas avec cette tronche, on sait tous les deux pourquoi on est bloqué. Parfait! Eh ben, je vais t'assiéger, mon grand! Parce que t'as pas eu le temps de refaire d'armée! Ah, ça va faire mal, hein. J'ai un peu peur, là, quand même. Oui, monsieur. Du guet-truin, au secours. Préparez-vous, marchez. Ah là. Préparez-vous. Ouais, bon, la barre est déjà un peu plus en ma faveur. Infanterie. Oh, ils ont des irréguliers. Oh, quelle horreur. Oh non, ils ont des irréguliers. Non. Ah oh, bah, ça va. Leurs irréguliers, ils tirent aussi loin que mes fusils. Donc, autant dire que c'est un peu de la merde. What? Mais qu'est-ce que... D'accord, ils ont carrément amené des prisonniers. D'accord. Pourquoi, en fait? Depuis quand tu envoies des prisonniers au combat? Enfin, non, c'est pas des prisonniers, mais c'est des mecs du pénitencier du coin. Ce qui n'est pas une très bonne idée stratégique. Alors, est-ce que vous vous êtes calmés? Parce que moi, je voudrais bien m'en aller, en fait. Allez, s'il vous plaît, j'ai envie de me barrer. J'en ai marre. Bon, bon, on va rester un peu plus longtemps. Putain, il y a Villard qui est en train de se les geler aux Pays-Bas, les mecs ils veulent pas se rendre. Ah, tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Alors. Ouais, bah l'Espagne va falloir attendre. Au pire, je pourrais attaquer, hein. Vu la tronche de leur armée. On pourrait attaquer, hein. Ça se tente. Vu leur état, vu la faiblesse de leur armée, ça se tente. Village assiégé. Avec nos coureurs des bois, ça peut le faire. Opération de siège en préparation. Vous savez quoi? Il va être temps de tenter la bataille. J'ai suffisamment perdu de temps avec Madrid. Alors on tente. Place au combat.